Fantôme apparaît dans 3, 2, 1. Est-ce que tu vas apparaître? Est-ce que le fantôme va apparaître, les amis? Est-ce qu'il va apparaître? Oh! Il est là! Il est là, regardez! Bonjour tout le monde, ici Akamoy, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, tout comme ça va nickel. Aujourd'hui, les gens, on se retrouve sur Pixel Gun 3D pour une nouvelle vidéo très particulière, car aujourd'hui, on va pas parler de mise à jour, mais on va parler d'une théorie, voilà, qui va se mettre en place. Parce que depuis la dernière mise à jour, ils ont ajouté, comment dire, un petit fantôme, voilà, un petit fantôme qui se balade sur certaines maps, qui va apparaître à des temps précis. Et vous allez voir, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est assez surprenant, et donc on va essayer de faire des théories là-dessus. Donc sans plus tarder, c'est parti. Bon, avant qu'on commence, n'oubliez pas le petit like, mettez-vous bien avec votre petit thé, voilà, tu te mets bien, tu prends ton petit thé, là, tu te mets comme ça, au calme, sur ma vidéo, là, tu lâches un petit like, et tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, et on va pouvoir débuter. Avant, comme je viens de le dire, on va regarder un peu la note de la mise à jour, parce que j'avais dit que j'arrêtais de faire des mises à jour, voilà, de regarder un peu les mises à jour. Là, j'ai envie de prendre maximum une minute pour regarder les nouvelles mises à jour. Donc c'est la mise à jour Saint-Valentin, voilà, donc qui rajoute certaines armes. Donc comme d'hab, j'ai peut-être en oublié. Donc voilà, il y a l'agent Valentine qui a une arme qui a l'air plutôt forte, on va pas se le cacher. Ensuite il y a, je crois que celle-là, voilà, amoureux, qui est une arme plutôt stylée, on va pas se le cacher. Voilà, j'ai comme je viens de le dire, on va essayer d'aller assez vite. La sérénade, oh, qui fait la petite musique. Ok, sympa, sympa, sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le briseur de cœur. Ils ont fait une faute. Ils ont fait ça, le briseur de cure. Ok, pourquoi pas. Le briseur de cœur, là, qui balance des dagues. Ouais, c'est ça, c'est des dagues. Qu'est-ce que nous avons ici, rapidement? Nous avons le succube. Ok, qui a l'air pas très top. Elle a vraiment pas très top, elle. Et ensuite, pour terminer, nous avons le facteur de 10 heures. Ok, qui balance des lettres. Ok, sympathique. Dans la communauté du commerçant, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons les armes. Donc, les nouvelles armes. J'aurais peut-être dû les présenter ici, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà, qui sont là. Les nouvelles armes que je viens de vous présenter. Et pas plus, sinon, dans les events, qu'est-ce que nous avons dans les events? Ok, nous avons le coffre. Pourquoi pas de l'event de Nouvel An. Je crois que c'est ça, ouais, l'event Nouvel An. Et si nous avons des petites roulettes, donc on va en faire une, vas-y go, on fait ça, let's go, on balance. On va bien voir qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir. Ok, bah 4, nickel, ça avance petit à petit, voilà, je suis à combien, je suis à 41, ok, cool. La bonne nouvelle, c'est que je recommence à reprendre, bah jouer sur mon compte, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas joué à Pixel Gun 3D. Et j'ai envie en ce moment de jouer au jeu. Je sais pas pourquoi, j'ai trop envie, parce que surtout que j'ai vu dans les tournois que si on arrivait dans les premiers, regardez-moi ça, on pouvait avoir le coffre hyper rare, voilà, un coffre bleu. Donc franchement, ça me tente, ça me motive. Donc je pense que je vais commencer à reprendre, parce qu'en plus c'est l'été, tu vois, il va commencer à faire meilleur. Enfin, c'est pas encore l'été, parce qu'on est quand même encore en hiver, mais voilà, il y a le beau temps qui commence à revenir et je sais pas pourquoi j'ai envie de jouer à Pixel Gun 3D. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que le jeu m'avait un peu lassé, comme je l'avais dit. Mais bref, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est tout simplement d'aller voir ce fantôme, ce magnifique petit fantôme. Vous allez voir que c'est assez surprenant. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu, parce que c'est un commentaire, je sais plus de qui, mais je pense que je retrouverai. Je vais t'afficher juste là, voilà. C'est un commentaire vraiment d'une personne qui m'avait dit qu'il y avait un fantôme sur Pixel Gun 3D et d'aller me renseigner là-dessus pour faire peut-être une vidéo. J'allais m'enseigner et comment dire que ça m'a assez intrigué. Et donc on va directement aller voir, comme ça, après on pourra faire des petites spéculations, des petites hypothèses, des petites théories. Voilà, encore à, oh, à 3 synonymes, les mecs. Ouais, c'est donc, pas il faut savoir que c'est sur seulement 2 cartes qu'il y a le fantôme pour l'instant qu'on a vu. Peut-être dans une semaine on va trouver une nouvelle carte, mais pour l'instant il y a que sur la map Ville de Noël et Parcours City 3018. Mais par contre, Ville de Noël, je crois que c'est la nuit, mais je pense pas que ça change grand chose. Donc on va commencer directement par la Ville de Noël. Donc on va rentrer n'importe quoi comme mot de passe. T'imagines, il y a un abonné qui rentre dans ma game, il a trouvé le mot de passe, tu vois, il a trouvé ça, le F, c'est le mot de passe. S'il arrive à le trouver, bah, félicitations à lui, mais ça m'étonnerait franchement, on peut toujours y croire. Donc avant cela, pour aller voir ce fantôme, il va falloir vous équiper de certains gadgets, surtout de 1 ou 2 gadgets. Donc là, je sais pas si je pourrais vous les montrer, malheureusement on n'a pas le droit aux gadgets. Attendez, si, je crois qu'on a le droit aux gadgets ici. Oui, c'est bon, on a le droit aux gadgets. Donc voilà, les gadgets, c'est pas ici, c'est dans aide, voilà, dans aide. Donc soit vous prenez tout simplement la pierre des Nomunac du diable pour pouvoir vous envoler, parce que ça va être en hauteur. Soit tout simplement vous prenez le jetpack, voilà, qui est juste là. Donc soit vous prenez un des deux, mais il va falloir tout simplement voler. Donc là, ça va être un peu galère si vous n'avez pas ça. Mais je sais pas si on peut y accéder, parce qu'il faut savoir que c'est, regarde-moi ça, c'est tout là-haut. J'ai envie de voir si on peut y accéder sans voler, pour voir les gens qui ont pas toujours ça, pour aller, s'ils veulent aller voir. Comme ça, bah, ça évite d'aller payer pour rien. Donc là, vous montez par là, je crois que c'est ça, oui. Je me rappelle, parce que même moi, j'avais pas encore le jetpack et les doubles sauts, et je montais par là. Donc bref, voilà, tu montes là. Est-ce qu'on peut monter? Je sais pas si on peut y monter, hein.
Est-ce qu'on peut... Ah non, c'est juste, hein. Ça passe pas, c'est dommage. C'est dommage. Bon, ben, je suis désolé pour ceux qui n'auront pas le petit jetpack. Ben, ça va être plutôt galère. Donc, bref, tu montes là, tu vas là. Et ensuite, tu accèdes là-haut. Sauf que je viens de me rendre compte que le... En fait, il faut que la map soit de nuit. Et là, la map n'est pas de nuit. Donc, je viens de faire une grossière erreur. Parce que là, regardez-moi ça. Normalement, il devrait apparaître là. Sauf que là, on est en map de jour, donc ça devrait peut-être pas marcher. Et je crois que je viens de deviner peut-être une théorie. C'est bon, on vient de trouver la map de nuit, parce que je cherchais dans le match à mort par équipe, mais ça marchait pas, il faut tout simplement aller en match à mort pour chacun. Voilà, tu sais, les combats où t'es 8 contre t'es 8, et tu dois être le premier à chaque fois, enfin bref, sans vous reconnaître le mode de jeu. Et donc voilà, la ville de nuit est juste là, on va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil. J'ai trop hâte d'aller voir. Normalement, je crois qu'il faut se dépêcher, parce que il spawn dans les 10 premières secondes de la map, donc on va aller se dépêcher, et on va pas perdre plus de temps. J'ai trop hâte de voir ça, parce que franchement j'ai juste vu les vidéos et j'ai pas plus regardé. Je me suis dit, oh attends, on va pas regarder ça. On va regarder ça ensemble, on va faire une petite réaction ensemble. Allez, c'est parti, sans plus tarder. Prenons le diable. Allez, let's go, c'est là-bas, regardez, c'est là-bas. Oh là là, rien que l'ambiance. Elle met mal, les mecs, elle met mal l'ambiance. Elle fait assez peur. Donc, est-ce qu'il va apparaître? Fantôme, es-tu là? Est-ce que tu es là, petit fantôme? Est-ce que le fantôme est là, les amis? Est-ce qu'il est là? Je sais pas, j'ai vraiment peur. Je sais pas, oui. Attention, est-ce qu'il va apparaître? Est-ce que tu peux apparaître, mon pote? Non, il apparaît pas encore, hein. Oh là là, je le vois pas, hein. Est-ce que vous le voyez, vous? Est-ce que vous le voyez? Parce que moi, je le vois pas pour l'instant. Normalement, il devrait être là, hein. Est-ce qu'il faut tirer? Vous voulez dire que sur cette map, il a disparu? Ça y est, c'est bizarre tout ça. Parce que normalement, des vidéos que j'ai vues, c'est sur cette map, de nuit, et il devrait apparaître. Je pense que je vais rester un peu plus longtemps pour voir. Mais peut-être il a changé de map et il est parti sur une autre carte. Bref, nous nous retrouvons maintenant sur la deuxième carte. On va pas se le cacher, je suis un peu déçu parce que normalement il spawn sur la carte de neige. Mais là, je comprends pas pourquoi. Donc peut-être il va se déplacer de carte en carte et Pixel Gun 3D est en train de faire un event. Je ne sais pas. En tout cas, on va vite aller se dépêcher d'aller à l'autre endroit qui est juste, regardez-moi ça, qui est situé là-bas sur le... où il y a le personnage, regardez. Donc on va se mettre... je sais pas, on pourrait se mettre. Je pense qu'on va se mettre là et on va essayer de voir... s'il apparaît ou pas. J'espère qu'il va apparaître. Je suis déçu. Franchement, je suis vraiment déçu s'il apparaît pas. Ce sera peut-être. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi. Parce que j'ai vu en vidéo, mais pas. Mais j'ai jamais vu spawn. Alors, est-ce que tu pourrais spawn, petit fantôme? Est-ce que le fantôme va spawn ou pas? On va faire une incantation du fantôme. A few moments later. Oh, les mecs, j'ai dû m'absenter. Est-ce que il a. C'est une blague. Quand je vais m'absenter, ça y est que le. C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a un cube? Il n'y a pas un cube, hein, on est d'accord. Faudra que je revoie les rushs vidéo, mais je crois pas qu'il y ait des cubes. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a un cube? Pourquoi il y a un cube ici? J'ai envie de relancer la map pour voir si le fantôme va pouvoir apparaître ou pas. Allez, sans plus tarder, on y retourne. Là, cette fois-ci, je veux voir. Je me suis absenté, ça y est, il a apparu. Putain, c'est pas possible, j'ai même pas pu voir à quoi il ressemblait, ce fantôme. Il allait juste larguer un truc, parce que regardez-moi ça, il n'y a plus le cube. Hein. Attendez, on va se mettre là. J'ai envie de le voir. Est-ce que tu pourrais apparaître? Est-ce que petit fantôme, tu pourrais apparaître, s'il te plaît? S'il te plaît. Oh, il est minuit. Non, c'est tout totalement faux. S'il te plaît, petit fantôme. Est-ce que tu pourrais apparaître? Fantôme, apparaît dans 3, 2, 1. Est-ce que tu vas apparaître? Est-ce que le fantôme va apparaître, les amis? Est-ce qu'il va apparaître? Oh! Il est là, regardez! Wow. Non, il largue juste ça? C'est juste ça que j'ai raté? Non. Non, c'est pas possible, il y a un truc à faire avec ce cube. C'est pas possible. C'est quoi ce délire? C'est juste ça qu'il y avait à faire? Ah non, mais c'est bon, je me suicide, hein. Ça sert à rien, hein, c'est bon, mais moi, je suis pas venu là pour voir un cube, moi. Je suis pas venu là pour ça. Attendez, c'est très spécial, ce cube, hein. Je pense que... Je sais pas, hein. C'est bizarre qu'il y ait juste un petit cube, comme ça, qui spawn, créé par un fantôme. C'est là où il va pouvoir avoir des petites hypothèses, je pense. J'ai envie juste d'aller le revoir. Et après, je pense avoir certaines petites hypothèses derrière moi. Mais c'est très spécial. Bref, donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que je vais continuer à chercher de mon côté. Essayer de faire des petits indices. Et revenir avec une vidéo. Je pense qu'on va faire ça. Là, on va juste faire une petite game. Voilà, je pense même pas la terminer. Mais c'est très spécial quand même d'avoir un petit fantôme là qui spawn avec un Rubik's Cube. Je pense que j'ai des petites idées derrière moi et je vais commencer à préparer une petite vidéo, voilà, pour faire mes petites théories. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Mais c'est très spécial. Est-ce que vous pensez qu'il peut même spawn dans ce mode de jeu? Parce que regardez-moi ça, il y a même un mec qui va... Oui, regardez-moi ça, il est de retour. Il y a encore le fantôme, c'est fou. Ce fantôme arrive tout le temps au bout de quelques minutes et il est là, ok. Donc c'est très spécial, on va pas se le cacher, c'est très très spécial même. Et
Et si vous avez, comme je viens de le dire, des théories, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Bon, bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis grave hypé là, parce que s'imaginant, ils commencent à faire des events. Ça pourrait être vraiment stylé sur le jeu. Donc, si vous avez des théories, comme je viens de le dire, marquez-les dans les commentaires. Faire des gros pavés, je les lirai et je les reprendrai peut-être dans les prochaines vidéos. En tout cas, moi, je suis grave hypé. Je pense faire plein de vidéos sur ce sujet. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un pouce, like et à vous abonner. En tout cas, c'était Akawai. On va se dire à la prochaine. Et en tout cas, là, je suis en train de faire des glingues. Bref, on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.